Alors Hamilton qui répond à la question de savoir s'il aurait pu gagner à Sao Paulo. Je pense que c'est définitivement le cas. Je pense que nous aurions eu beaucoup plus d'opportunités dans les deux arrêts que nous avons eus. Et en appliquant la pression, ça aurait été formidable d'avoir cette bataille. C'est pas le circuit le plus facile à dépasser. Il faut généralement avoir un plus grand delta en termes de rythme par rapport à l'autre voiture. On était très proches. Il n'y a qu'un ou deux dixièmes entre nous, surtout à un moment donné. J'aurais adoré avoir la chance juste de pousser, pousser et voir si une opportunité se présente. Lewis a également révélé que lui et Russell avaient opté pour deux ailerons différents. On avait deux configurations d'ailerons différents. J'étais plus rapide dans les lignes droites, il était plus rapide dans les virages. Donc en gros, ça allait être compliqué. Bon. Après, techniquement, il avait l'avantage puisqu'il avait l'aileron faible appui. Il aurait pu bouffer en ligne droite, mais bon, il n'a pas réussi à suivre dans les virages, j'imagine. Et en ligne droite, il était trop loin, quoi. Donc, bon, bah, tant pis, il n'a pas gagné, hein. C'est Russell qui a gagné au final. Il en gagnera peut-être en 2023, on espère. Allez, oui, ça, allez, ciao, ciao.